Il est très bien fait. Ah, un monsieur que vous avez déjà vu, regardez-le, tiens, mets ça. Merci mon grand. Alors, bonjour. Comment alors, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait un peu d'heure, ouais, c'était il y a 9h maintenant. À peu près, c'est ça, quand on est arrivé sur le parking en même temps. Alors, comment ça se passe pour les équipes? Ça se passe bien. Alors, on a deux équipes là, qui sont engagées. Ouais. Les Eternam et puis les Impérators. C'est ça. Et donc on a une équipe qui a fait 2-3, là, qui a joué contre Zerator notamment. Mm-hmm. Zerator et Guest, qui a perdu pas beaucoup, mais bon, c'est une jeune équipe. Ils ont perdu, ouais. Pas de grand chose, mais ouais. Bon, c'est une jeune équipe aussi. Et on a l'autre équipe qui partons par contre a gagné la plupart de ses matchs. Les Impérators, on les a shoutcast, ils jouaient contre je sais plus laquelle c'était. On a eu un très très mauvais match contre Expression. Celle-ci qu'on a regardé, Exception. Ouais. Exception. Très très mauvais match. Pourtant, mais pas dedans. C'était bien, mais il y a eu des erreurs. Mais la game était quand même intéressante. Ouais, mais enfin, vraiment, vraiment des grosses erreurs. Surtout ouais, il y a eu des grosses erreurs. C'était vraiment merdique. On a perdu la game sur les 10 premières lignes, ça c'est sûr. Oui. Alors qu'on avait tenu la Infamous, qu'on avait gagné nos deux premiers matchs très facilement. Là, cette game, c'est pas bien passé. Ouais. On n'était pas dedans. Après, d'ailleurs, on a roulé sur la Ninashore. Non, c'est pas méchant. Hein. Bah oui. On respecte tout à fait toutes les équipes. Ça permet de. Il y avait un décalage de niveau. Ouais. Comme nous, à un moment donné, on va certainement retrouver des équipes qui vont effectivement peut-être nous rouler dessus. Hein, tu vois, c'est aussi ça. Au niveau des phases de poule, où est-ce que vous en êtes? Bah écoute, on est à 3-2, donc on est passé. Là, on attend les brackets maintenant. D'accord, donc, les brackets. Donc, ces brackets qu'on va commencer à jouer maintenant, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais. Donc là, on attend les brackets et puis ben, on va voir comment ça va se passer. On essaye de vous suivre, tant qu'à faire. On a personne de. J'espère. On n'a pas. Pour l'instant, on a personne. Là, on a fini, on va dire, les games qu'on avait prévu de stream. Même si on n'a pas forcément stream ce qu'on avait prévu, parce que des arbres ont pris de l'avance, enfin des poules ont pris de l'avance, d'autres du retard. Donc du coup, c'était difficile de jongler entre les games qu'on voulait. Donc si on peut arriver à suivre, à la limite, qu'est-ce que fout la régie? Comment ça, qu'est-ce que fout la régie? Qu'est-ce qui se passe? Jav, si je te dis que baisse la musique, musique fort, dégage la musique. Voilà, merci. ND, comment ça ND? Nec Deus, Nec Dominus, ici présent, oui. Donc du coup, ouais, on va essayer de suivre vos teams. Je sais pas, est-ce que tu es sur ton Skype à toi? Ouais, donc au pire, si tu as les moyens, soit de m'ajouter moi, Jav, directement. Hein, ouais. Comme on a fait l'autre fois, il t'avait invité. Ouais, j'ai vu, bah direct, m'invitez-moi, qui m'invite directement, comme ça au moins on essaie après, de vous suivre. Tu choisis la game que tu vas suivre par rapport aux là, pour l'instant, actuellement, voilà, on est comme toi, c'est-à-dire que nous, on a fini nos games, là, on va suivre un petit peu ceux qu'on peut suivre. Donc si on peut vous suivre, vous, bah tant qu'à faire. Moi, je préfère, j'ai pas envie de suivre les grosses équipes, machin, parce que c'est pas intéressant de suivre les Medium Spirit, tout ça, ça m'intéresse pas, tout le monde le fait déjà. Je vais peut-être répondre à quel pool. En fait, on a deux équipes N, et c'est pas ND, c'est N2D. C'est N-I-I-D, N2D, pour Nec Deus, Nec Dominus. On a deux équipes, une qui est dans la poule C, et une qui est dans la poule D. Voilà, pour remettre un peu, parce que je sais, ça pose des questions. Donc je réponds, voilà. Ça y est, ça marche. Je regardais juste en fait parce que quelqu'un m'avait ajouté, je savais pas pourquoi, mais c'est bon. Là franchement tu vois, j'ai un peu du mal certaines games, elle me dit attends qui c'était lui, mais c'est bon. Tu te souviens plus? C'était celui que j'ai interviewé tout à l'heure. Très bien, merci, je vois le site. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un dossier sur moi. Apparemment. Bon, d'un autre côté, on a fait quelques soirées, donc on peut non, avoir même pas. Quelques dossiers ensemble. Je crois que c'est antérieur à cela. Ah, c'est encore antérieur. J'ai vu une vidéo de toi. Oh là là, j'ai peur. Une vidéo de moi. Alors, attends, je suis en train de réfléchir. Où tu as participé à un jeu télévisé. Tout à fait, avec Nagui peut-être, c'est ça ouais. Et tu as très bien chaté sur une réponse à un moment, j'ai vu. Non, c'était juste parce qu'on en parlait avant et que du coup on voulait avec en parler. Avec Nagui, qui veut prendre, enfin tout le monde veut prendre sa place. Ouais, très bon jeu, je m'appelle ma maman, feu ma maman maintenant, qui regardait pas mal cette émission, qui aimait bien. Et c'est pour ça que quand il m'a envoyé cette vidéo, il m'a dit oh, regarde qui j'ai vu et tout. Ouais, je suis pas. Attends, j'étais challenger. Oui, bah oui. Attends, quand même. Hein, j'ai perdu face au champion. Est-ce que franchement Challenger c'est autant enfin je parle dans ce jeu réellement hein, pas Challenger sur League of Legends, on s'en fout. Un jeu de noob League of Legends. C'est quoi League of Legends? Je sais pas, un truc là, ils sont en train de tous s'exciter à côté, je sais pas pourquoi. On n'est pas venu pour du cosplay et pour Si à nous si, derrière, t'inquiète pas, nous les interviews cosplay ça y va là. Ouh, okay, ça me rassure un peu. T'inquiète pas que nous on y va. Oui, est-ce que c'est dur Challenger dans ce jeu finalement?
Alors, parce en fait, c'est pas si dur que ça, parce que les questions de base, en tout cas, sont pas très compliquées. Il faut juste un tout petit peu de stratégie, parce qu'évidemment, le champion, lui, s'amuse à pas prendre n'importe qui pour pouvoir évidemment gagner. Donc, il faut pas avoir l'air trop intelligent et répondre trop bien dans les premières phases. C'est ce que je me suis dit. C'est une technique, c'est juste passe pour un abruti. C'est une technique à la con. Faut se rendre plus stupide que l'on est. Ça passe plus à la télé. Déjà, ça passe mieux à la télé, ils aiment bien. Surtout Nagui, il aime bien te chambrer là-dessus, surtout quand tu fais de la moindre erreur. Oui, j'ai vu, il t'a mal lâché là-dessus. Ben, t'as vu, il a fait une plombe sur ma barbichette et puis ma petite tresse. Mais après, derrière, ouais, c'est ça. Il y a un petit truc comme ça à faire. Après, derrière. Mais c'est super, hein. L'équipe de Nagui est. Ouais. Nagui, lui, on le voit pas beaucoup. Hein. Mais l'équipe de Nagui, absolument génial. Et du coup, est-ce que tu peux répondre à la question qui dit que. C'est plus facile chez soi ou pas? Ah oui, non, c'est nettement plus facile chez soi. Il n'y a pas la pression. Là, il y a du public, il y a le plateau. On nous dit où nous placer. Donc, on a quand même. Et puis, Nagui a la facilité de parler avec toi, de te faire parler de plein de trucs et tout d'un coup de te poser une question et tu dis oh. Attends, what? c'est quoi la question déjà? D'accord, tu vois, de sortir du. Oui, c'est vrai qu'il est bien comme ça, il parle bien, puis d'un coup il te pose la question et il t'attend. Et ça te sort presque du truc et finalement, t'es pas prêt au moment où il le fait. D'accord. Voilà, après l'émission, c'est vrai que moi j'ai été sur le plateau 3 heures, quoi. Hein, donc c'est aussi long, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es peut-être prêt 1 heure avant et tu l'es plus quand tu passes. 3 heures, c'est long, quoi. Ouais, mais c'est vrai que les petits gâteaux, la charcuterie, les trucs qu'on ne voit pas, les coulisses. C'était plutôt quand même relativement sympa et ça fait passer du temps. Maintenant, t'es habitué à la foule, tout ça, la foule, le public. Ouais, ouais. Par mon métier, j'étais déjà habitué parce que je suis monté sur scène, j'avais 2, 3, 4 000 personnes en face de moi, donc c'est vrai que c'est la foule, c'est pas quelque chose qui me stresse. Ma performance va plutôt me stresser que la foule. Oui, forcément. T'as qu'à faire, c'est ne pas se louper. Et toi alors, quand est-ce que tu montes sur scène devant 3000 personnes? Pour l'instant, je vais me contenter de continuer à mettre des fruits et légumes en rayon. Ça va très bien. Déjà, je vais essayer de faire rire mes fruits et légumes, on verra pour la suite. Et est-ce que ça marche déjà? En fait, tu testes toutes tes blagues sur les fruits et légumes. Ouais, ils sont pas réactifs, donc du coup, ça permet de mieux encaisser le mal à l'aise. Tu vois, tu dis, ma blague était nulle ou pas. Je reste. Écoute, merci d'être venu, c'était plaisir. C'est donc, un plaisir. Tu leur dis bien s'ils ont des games, quoi que ce soit, de m'envoyer. On te rajoute comme on a fait l'autre fois et toi tu décides par rapport à ce qui se passe. Puis... Pour l'instant, on n'a rien, donc on verra. Mais tant qu'à faire, autant suivre une équipe qui est derrière, mais qu'on peut mettre en avant nous. Ouais, tout à fait. Et puis. Avec plaisir. Pas hésiter à peuper si vous avez sur les Twitter machin, qu'on stream la game machin, ça vous permet aussi de vous mettre en avant, de mettre en avant la TV, tout ça. Et puis, c'est pareil, on vous fait la pub sur nos Facebook, nos Twitter et autres. Nous, c'est ce qu'on fait, des combats. On a Community Manager qui est le plus loin, qui s'occupe des tweets, tout ça. Et donc, du coup, on fait tout en binôme, on essaie de gérer ça. Je regarde le chat parce que je vois que 3 heures d'attente, je viens de passer 2 heures de file d'attente pour rien. Oui, parce qu'ils voulaient venir nous voir. Ça fait 3 Lyon Espoir qui essaient de venir nous voir. Et ça fait 3 Lyon Espoir parce que soit on le rate, soit on n'arrive pas à rentrer en contact. Et là, il était là dans la file d'attente, mais il rentre pas parce qu'il y a trop de public. Il y a trop de public en fait. Donc, ils bloquent les portes et ils attendent que ça sorte avant de faire rentrer. Donc, c'est un peu. Du coup, il est venu pour rien encore une fois. Voilà. Et donc du coup il est déçu. Désolé que tu sois venu pour rien. J'espère en tout cas que tu vas pouvoir repasser et ça sera toujours un plaisir. Il y a des animations à l'intérieur, c'est vrai. Prochaine fois. Prochaine Curious Sport. Bon, je te rends ta liberté. Merci d'être venu, c'était cool. Merci beaucoup. À très vite. Bah oui, à très vite. Déjà, on va se recroiser là très vite. Bah oui, de toute façon. Pour j'espère. Non, on est bien encore ici, il n'y a pas trop de monde, on a un peu de place et tout. Un peu à l'écart comme ça, c'est vachement bien. Bah ça fait du bien, puis on entend quand même la foule, par contre quand ils gueulent, là, l'esquiver c'est chaud. Bon par contre quand on veut se déplacer pour aller manger, pour aller aux toilettes, c'est dur parce que c'est loin. La restauration est très occupée. On parle pas, j'ai laissé une crêpe là qui m'attend. Et puis je te la retrouver alors. Donc tu n'oublies pas de dire à ton équipe s'ils veulent, s'ils ont des matchs, machin, de m'ajouter. De toute façon j'ai déjà, je crois, je sais pas, peut-être que non. Enfin on m'a invité tout à l'heure, j'ai vu, donc voilà. Il n'y a aucun souci, ça sera avec plaisir. J'ai un pseudo simple en plus. Hein. C'est super compliqué. Te rajouter, c'est super cool. Bonne continuation. Merci. À très vite. Bye bye. Ça marche? Allez. Je te repose le casque, j'attends peut-être que tu coupes le son. Non, c'est bon? Parce que sinon, ça fait. Non, c'est bon. Ciao. Merci à toi. Allez, bye bye.